est une ville bourguignonne située à 150 km au nord de Lyon, en France. Elle a été construite à l'intérieur et autour d'un castrum gallo-romain, fortification qui a été construite entre les 4e et 8e siècles. Elle a aussi été construite autour de la fameuse source appelée Bélénin qui a donné son nom à la ville. Le climat et la topographie autour de la ville, ainsi que les sols argilo-calcaires, ont favorisé le développement de vignobles particulièrement fameux. La ville s'est développée autour de l'activité reliée à l'hospitalité des religieuses, ainsi que du monde du vin. À Beaune, lieu légendaire des enchères de vin ayant lieu aux hospices de Beaune, plusieurs édifices renferment des caves, souvent ayant été utilisés et encore utilisés d'ailleurs pour élever les vins en fût et ainsi que pour faire vieillir certaines bouteilles de grands vins. Les caves sont des lieux mythiques où on harnache en quelque sorte le pouvoir du temps. Une très très poétique et agréable description du monde des caves et ce qu'il représente a été donnée par la psychosociologue, sociologue, essayiste et écrivaine d'origine marocaine, Perla Serfati. Elle décrit le monde des caves ainsi. Les caves sont un lieu secret dont on ne parle pas. Il est sale et encombré de choses abandonnées et oubliées, et en même temps, c'est l'endroit où on conserve des nourritures et des objets précieux, autant que des souvenirs. La cave abrite les témoins de nos liens avec le passé, le secret de nos personnalités intimes. Il est protecteur, par exemple, en temps de guerre. C'est le refuge du fugitif et du clandestin. C'est aussi le lieu où les enfants peuvent rêver et pénétrer un peu les secrets de leurs parents, tout en se faisant un peu peur. Il y a peu, c'était aussi l'endroit où l'on menaçait de les envoyer s'ils n'étaient pas sages. Voilà pourquoi le monde des caves représente beaucoup plus que des simples lieux en pierre, en dessous des édifices où l'on habite. Jean-Baptiste Patriarche, de Savigny-les-Beaunes, fonde sa compagnie viticole de négoce en vin en 1785. À Beaune, existe un ancien couvent, celui des Visitandines. Il fut saisi à la Révolution française en 1789 et en 1796, Jean-Baptiste Patriarche achète ce couvent pour établir son commerce de négociant en vin, Patriarche, père et fils. La chapelle de l'ancien couvent des Visitandines est un lieu empreint de riche histoire et d'émotion. C'est là où un escalier descend et, nous allons le voir ici, donne accès à tout un dédale de couloirs et de caves voûtées. C'est là que patriarche et fils vont faire vieillir leur vin, profitant de l'obscurité, de la température parfaite, de la stabilité et du taux parfait d'hygrométrie. C'est là un des facteurs déterminants qui vont faire la renommée de leur vin à travers la planète. Le labyrinthe de caves voûtées en dessous de chez Patriarche, père et fils, sont remplis de vin. Dans chaque recoin, on retrouve des tonneaux et des bouteilles demeurant sur place à travers le temps. Beaucoup de passages sont inaccessibles au public et ils semblent infinis. En tout, les caves totalisent plus de 5 km. Dans le périple, après avoir franchi une des arches de ces longueurs souterraines, on peut apercevoir des grilles contenant certaines bouteilles qui sont des millésimes d'exception. On peut y voir des bouteilles de 1960, mais aussi des bouteilles d'une rareté inouïe, telles que celles mises en bouteille pendant les années des Grandes Guerres, qui, plusieurs le savent, ont presque toutes disparu. Au-delà, l'exploration se poursuit tout au long de ces corridors pierreux qui ont vu l'épaisseur des siècles. Arrivé à une intersection cruciale,
on est face à face à un cajot où a été laissé un testament aux générations. Le vin est une activité humaine qui dépasse le matériel. On s'en aperçoit ici. Dans les cajots ont été placés de grands crus bourguignons de la maison, mis en réserve et destinés à être bu par des générations futures. On peut lire sur une plaque marbrée, « En ce 29 juin 1963, lors d'une cérémonie présidée par M. Jean Chapelle, préfet de la Côte d'Or, en présence de Roger Duchet, sénateur-maire de la ville de Beaune, 2134 représentant les plus grands crus de la Bourgogne de la prestigieuse année 1959 ont été enfermés sous voûte. À la demande de M. André Boisseau, directeur général de Patriarche Père et Fils, ces grilles ont été scellées par M. le chanoine Kier, député maire de Dijon, doyen de l'Assemblée nationale. Ce caveau ne sera ouvert que début novembre de l'année 2000, et les vins qu'il renferme seront dégustés lors de la première exposition de dégustation patriarche du 21e siècle. Une deuxième cuvée, la cuvée Nicolas Rollin de 1994, a été acquise par Patriarche et 228 litres ont été mis en bouteille, ce qui fait 7 706 bouteilles, et ont été scellés dans trois caverons. Le premier caveron est destiné à être ouvert dans l'année 2020. Le deuxième caveron est destiné à être ouvert en 2050. Et le troisième est destiné à être ouvert en l'an 2094. André Boisseau termine avec la phrase suivante. Je laisse le soin à mes successeurs de mener à bien ce désir. On peut aussi acheter des vins vieillis dans les caves de Patriarche sur place. On y retrouve des véritables trésors tels que les fameuses Nuit Saint-Georges, Gevrey-Chambertin, Pommard, Pouligny-Montrachet et bien sûr les vins des enchères des Hospices de Beaune. En dégustant les merveilles ayant été élevées dans les profondes caves de chez Patriarche Père et Fils, on se rend compte de ce que représente le vin. Plus qu'une simple boisson, c'est un lien qui nous unit à la terre et nous permet de transcender pour un instant les limites apparentes du temps. Nous ne serons peut-être plus de ce monde lorsque les bouteilles scellées pour le futur dans ces caves seront bues par d'autres. Cependant, les autres y seront liés à nous.